Sami famille Anoué Lakay, ancien président Michel Matéli, nan gros problème. Matéli en bas enquête à ULCC. Eh bien, réseau national de plaignants Petro-Caribé mandé à un conseil présidentiel là pour prendre responsabilité yo. Donc yo exige un jugement sur dossier Petro-Caribéen. Donc pour voyer des barreaux tout monde qui impliqué dans délapider l'argent Petro-Caribéen. Est-ce que yo pral finalement clairer lumière non sur milliards Petro-Caribé yo? Donc qui te gaspiller zami famille et Anoué Lakay, eh bien nous pral faire autant des déclarations que membre réseau national donc en dépliant Petro-Caribé donc en fait dans micro Anoué Lakay avec avocat Maisonneuve donc qui fait gros déclaration que nous pral inviter pour que outendez ensemble avec nous. Moi passé un unité lutte contre corruption ULCC t'a publié un rapport sur trois conseillers présidentiels qui exposaient implication yo dans quelques affaires qui gien rapport avec Banque Nationale de Crédit et BNC. Cependant, pas gien moyen donc pour évaluer réellement impact et efficacité légale document ça. Donc en réalité, même si publication ça yo donc pas garanti yon impact imagé. Donc application yo a pas toujours posé question. Donc surtout face à personnalité importante en cours Michel Joseph Martelly, ancien président Haïti qui était les têtes li bandi légal. Donc rapport enquête capable venir sous Michel Martelly yo soulever en pile question sur capacité réelle ULC pour faire appliquer donc en conclusion et travail donc malgré professionnalisme institution donc non et ramasser à communiquer et preuve et bien rapport yo souvent on indifé n'en pas émaï donc sans conséquences réelles donc absence sans sanction au soir poursuite efficace spécialement les personnalités yo gain gros et influence en politique au soir économique donc à diminuer donc crédibilité ak, et impartialité institution qui là donc pour combattre la corruption dans pays et amis famille Anoué Lakay. Programme Petro-Caribéen qui était lancé en 2005 par Venezuela te visé pour bailler et pétrole dans condition et préférentielle bail pays Caraïbio et tant qu'au Haïti pour financer projet développement socio-économique la Caio. Donc cependant et en Haïti yon parti important dans l'agence ayo qui était ramassé estimé environ 3.8 milliards de dollars américains de détourné ou soit mal géré donc surtout pendant et présidence Michel Martelly donc qui la cause yon gros scandale politique ak donc économique donc rapport officiel yo spécialement donc ça qui sorti nan corps et supérieur et des comptes haïtiens donc mette lumière donc sur irrégularité dans gestion l'agence ayo et par Dio Michel Martelly la motte qui était impliqué plusieurs gros responsables gouvernementaux donc en mauvaise gestion ça était la cause en pile et projet qui était supposé bénéficier population donc été abandonné au soir par jambe fini donc qui vient aggraver pauvreté et instabilité sociale dans le pays et d'Haïti. Plus loin, ULCC doit montrer capacité li donc pour évaluer enquête li sans action et répressif. Pour un citoyen lambda, institution doit et prouver que justice est capable donc appliquer sans et passe pour qui quelle que soit position moun yo visé. Donc sans résultat concret, donc initiative ULCC yo risque rete tan kou yon lumière kap limen sans demain. Véritable réforme que population attend nan donc rete deye et porte là. Mais réseau national des plaignants Petro-Caribé donc vle changer donné yo fois ça. Mais avant que nous faire autant de déclarations yo, donc nous à 3 jours de élection présidentielle États-Unis, eh bien nous gagnons bonne nouvelle pour fanatique vice-président Kamala Harris. Donc selon journal BBC News qui va regarder sur écran, Kamala Harris a mené à 48 points par rapport à ancien président Donald Trump qui a 47%. Donc amis famille nous. Là que nous fouillons plus, gagne journal New York Times qui publié donc un jeudi 2 novembre.
Donc deux journaux ont sorti donc en jeudi 2 novembre 2024 là donc que Kamala Harris a mené 49% par rapport à 48% donc pour Donald Trump. Donc à présent état swing yo donc et donc c'est yo même cap jouer donc pour que yo gagne élection 5 novembre donc cap vini la zami famille Anouel la caillou. Mais il faut que nous dit autour et gagne une campagne contre haïtien et dans États-Unis. Donc il faut que nous prend en pile et caution les amis famille nous cap vivre donc États-Unis donc après allégation sur haïtien dans état Ohio dans ville Springville cap marcher et manger animal et compagnie et bien fois ça et autorité dans état Georgie averti que gagne une vidéo cap circuler sur réseaux sociaux qui montrait un immigrant haïtien qui prétend lit voter plusieurs fois dans élection présidentielle américain yo donc c'est faux donc selon ça et que autorité yo dit donc vidéo a c'est yo fake vidéo que lié donc il fait partie de une campagne désinformation étranger probablement organisée par agent Rissio. Donc Gemboad qui c'est secrétaire état georgien donc préciser que vidéo ça qui tourne viral sur plateforme X fait partie une stratégie qui visait et si men d'autres activisions dans moment élection à approcher. Donc en vidéo ça qui dirait 20 secondes à montrer et yon et moun qui déclarait que li joine un citoyen américain dans 6 mois et puis li té al voter pour Kamala Harris et li montrer donc en plusieurs licences et conduit et que li gagné. Eh bien gagne Brad qui dénonce vidéo ça et comment yon exemple des informations qui visait yon cible spécifique et qui ta gen rapport à Storm 1516 yon réseau qui gen support Kremlin d'après Darwin Len Will nan université Clemson. Mais agence fédérale yo tant que FBI et O et DNI ak et CISA mais confirmé et nan yon communiqué que agence Rissio fabriquer vidéo ça donc pour créer doute sur intégrité élection yo et puis diviser opinion publique américaine. Donc autorité yo encouragé et plateforme tant que X ak Meta pour retirer contenu qui est ça qui très viral. En plus donc sur Facebook en pile groupe qui est présenté tête yo comme et pro Kamala Harris a gayer message raciste à un pro Trump en réalité pendant yo profiter donc confiance utilisateur yo donc pour promouvoir contenu désinformation. Donc American Online Protect et identifié plus passé 300 groupes dans catégorie ça li soulevé une organisation scientifique et dans activité désinformation qui visait vice-président donc depuis les que li lancé campagne li zami famille Anouel la caillou donc il visait vice-président Kamala Harris. Eh bien nous te dit que nous pral faire autant de donc en déclaration que monsieur réseau national des pays en pétrocaribé donc il mandé avec un conseil présidentiel donc pour yo prendre responsabilité yo donc pour que yo fait et coup de cassation donc après un dossier et pétrocaribien pour mettre un juge en sous dossier et eh bien monsieur yo t'es parlé comme ça que nous pral inviter ou étendre zami famille Anoué Lakayo. C'était là c'est une conférence organisée par différentes structures comme le réseau national des plaignants en pétrocaribé, l'espace de mobilisation nationale, force aide 157 et Molina Sojap et d'autres structures. Son conférence sur la dame devine fondamentalement pour te parler de deux dossiers. Premier dossier, c'est le dossier qui concerne les peuples haïtiens, qui est le dossier pétro-caribé. Et le deuxième dossier, c'est le dossier massacre, assassinat, kidnapping, insécurité que le gouvernement a soutenu dans le pays. Maintenant, dossier pétro-caribé. Je viens de constater là, tu as gagné un vide au niveau de la Cour de cassation. Ça te constitue un obstacle. Tu as gagné une sécurité dans le pays, gang passé par la chasse et tout le monde. Ça te constitue un autre obstacle. Ensuite, tu as gagné et même mise sous pouvoir politique là, par même vagabond ça, qui te contribue à l'envoler l'argent pétro-caribéen.
On connaît que le monde ça a été fait un paquet de crimes dans le pays durant ces 10-15 dernières années, qui c'est des hommes, des délinquants d'une structure criminelle qui s'appelle PHTK. C'est même eux encore, les offres touillées, un élément, un monde, la structure, la chapelle politique, ils prennent le pouvoir là, ils vassalisent l'appareil judiciaire là, ils contrôlent l'institution, donc ils canalisent tout le bagaille dans le sens. C'est ça qui constitue un obstacle. Mais par le fait que dernier jour là, vous tendez quelques juges, quelques magistrats au niveau de la Cour de cassation, ils font parler. Pour te dire comme ça, que y a une reprise d'activité, réouverture et bagaille tribunal, là, j'ai encore dit là. Bon, n'a pas gardé si c'est vrai pour nous aller au niveau de la Cour de cassation, pour nous aller arrêt, nous devons rendre dans le cadre de dossier ça, qui pour mettre désigner un nouveau juge qui n'est pas juge PHTK, qui n'est pas volé, qui pas gang, qui pour faire plus désordre dans le pays. Donc, si l'activité est véritablement reprendre, l'enjeu qui vient là, nous devons garantir la presse, la population, nous mettons nos courants de ça qui dit, dans nous voir et ça, sans nul doute, il y a supposé désigner une logique pour dire, désormais, et pour Saint-Pétro-Caribéen, à continuer à faire chimène. Mais, et sans nul doute, et vous vous mettrez d'accord avec nous que je ne veux dire là, on ne peut pas parler sérieusement, on ne peut pas faire une conférence de presse avec le sens du sérieux sans nous pas parler, attention, de questions de kidnapping, assassinat, massacre, présence restée avec Blanvoye là qui s'est gagné connu, côté gang Konya vient à l'aise, puis Shell bel en pays. La preuve, sous vous analysez bien l'expression de visage de Barbecue, de Iso, de Lambert Sanjou, de Jeff et l'autre encore, ou après n'est-ce qu'il y a une pichelle bé, n'est-ce qu'il y a une pi à l'aise. Et pas qu'il y a 3-4 moun, pas qu'il y a 4 moun qui est responsable. C'est un pile monsieur dans le gouvernement ça, dans le gouvernement ça là, et notamment Gary Conny, qui est une marionnette de la communauté internationale, sans caractère, sans colonne vertébrale. Et pas oublier toujours d'où, bon paquet nèg qui comme ça tout. Il y a un paquet comme ça en Afrique et que blanc américain français toujours a utilisé pour craser pays nèg pareil. Et mais je dis à la cadre conférence là, nous tenons là pour dire sérieusement que il y a un discours bien déterminé que la population attend et que ça qu'a parlé dans la radio, dans la télévision, dans les réseaux sociaux là. De la part de M. Gouvernement Sayo, Conseil présidentiel, là, gouvernement, Gary Conny et l'autre encore, pas intéressé population. Et que c'est bluff, c'est démagogie, c'est mensonge. Pas oublier, je dis à la cadre conférence, on a fait une porte-parole population. Et population a d'accord. Donc, par la Nabdou, mais ça, population a besoin. Mais ça attend. Mais discours, des besoins. Vous comprenez qui discours besoin? C'est qui ça, gouvernement ça, conseil présidentiel ça, la police ça, a fait pour pénétrer dans les foyers des gangs. C'est ça lié. C'est pas parler français, bah, menti. Population attend qui ça a fait pour démanteler poste de péage. C'est ça, population attend. Population attend qui ça, gouvernement ça, conseil présidentiel ça, la police ça a fait pour empêcher la poursuite des massacres sur eux-mêmes. C'est ça l'attend. Il y a tant qui sa équipe sa a fait pour yo stopper, pour yo camper et même attention et l'embarrement et même by possibilité à population pour qu'a déplacer, pour qu'a vaquer à activité. Et que tout soit en dehors de là, que ce soit de la part de la police, que ce soit de la part du conseil présidentiel, que ce soit de la part de ce gouvernement, et notamment Gary Conny, bluffeur menteur, rusé, c'est bluff mensonge net. Et que, tenez bien, population a besoin d'affaires, formation brigadier. Menti, ça pas intéressant, pas nécessaire là. Affaire par formation brigadier, ça pas important. La réalisation des élections dans ce contexte,
n'est pas nécessaire. Anti-bluff pour passer malheureux, pauvre monde à chirer l'entente. L'autre bluff encore, l'autre bluff mensonge, il y a baille population. C'est là que c'est côté à parler des opérations anti-gang. Menti, pas que ça. Il n'y a eu aucune, absolument aucune opération anti-gang dans le pays. Attention, quittez-nous, bon petit argument. J'en tout dit là. Et mettez tout le monde en défi pour venir démentir. Mes amis, pas un médecin, nous connaissons, vous savez parfaitement bien. Il n'y a pas de médecin sans stéthoscope. Il n'y a pas de pasteur prêtre, médecin sans Bible. Il n'y a pas d'avocat, mais code moi là, oui. Il n'y a pas d'avocat sans code. Eh bien, c'est même petit bagaille là. On ne peut se permettre de parler de gang, de bandits sans âme. Toute la journée, la police, le gouvernement a dit qu'il a arrêté gang, il a tout gang. Mais jamais! Il n'y a pas de brandy, mais mon petit soleil, un bloc. Menti, il n'y a pas de bon, il doit arrêter gang. Et sous ta, dernièrement, là, pour nos amis, on mettait sur les réseaux sociaux, mes amis, tout le monde met en tête. On va qui passe un jour bien loin, l'autre continent. Yo brandil sous réseau pour nous, mais pourquoi comment on va mentir, mes amis? Bon, attendez, pour qui ça te menti ça? Donc, nous devons là précisément pour nous attirer l'attention de la population. Malheureux, vous avez pourri en bas kidnapping, en bas assassinat, en bas massacre gang. Pour nous dire que nous pas faire moun sa ok la, aucune confiance. Aucune, absolument aucune. Hein? Et que voilà pourquoi nous avons décidé d'exiger que toute équipe ça là, conseil présidentiel là, gouvernement ça, notamment Gary Kony, reste avec l'homme sans caractère, sa colonne vertébrale, pour yo remettre des missions yo, pour que pays a caralon souffre, à l'au moins en Amérique latine, Amérique du Sud, côté gen quelques pays là, quelques amis qui gen spécialité dans question combat gang, pour ka vinn aider nous l'engoumen contre gang ça. Ma finette, j'aime de faire talé a. Et pour fixer position sur un petit bagage qui est important, et c'est sous question, et trois membres ça, nous citer la question 100 millions de gouttes dans le BNC. Attendez bien, mes amis. Et avant d'en parler, nous voudrions fixer notre position sur ce qu'a dit durant cette semaine M. Claude Joseph. Nous féliciter, nous dire merci, parce que nous avons dit l'aspect ça. Qui a ce qu'on est lié? C'est parce que monsieur, regardez, de rappeler, de venir avoir dans l'esprit nous, pour la montrer l'importance de l'éthique, de la morale dans la politique. C'est bien, nous d'accord avec elle. Monsieur montre qu'en vertu de l'article 2 du décret donnant naissance au conseil présidentiel, ou bien ayant donné naissance au conseil présidentiel, si on nomme c'est inculpé, si on nomme c'est volé, c'est gang, c'est vagabond, dossier à mener devant la justice ou pas à le conseil là ou pas à le gouvernement ça. Merci Claude Joseph et pas oublier pas grand accord. Cependant n'oubliez pas que jusqu'à cette présente minute monsieur Claude Joseph lui inculpé tout dans un dossier devant cour d'appel Port-au-Prince et dossier la pilou. Un dossier là dans des bagages cocaïne drogue. Parce que pas dire assassinat là. Pas seulement assassinat à président non. Assassinat du président, dossier drogue. Claude Joseph li devant coup d'appel. Et attention, ou pas rendre connaît si un juge, deux trois juges en quoi. Et ce cocoyo monsieur l'anjou ka vin là, c'est qu'a caché, l'a caché. Donc n'a dit monsieur que faut pas oublier une phrase que tout haïtien doit répéter qui phrase liée, c'est que la charité quoi comment français a dit la charité mais on donne comment soit soi-même nous d'accord oui ça le dit nego kapel mais lui-même faut ta commencer par tracer exemple retire col dia tout le monde dénomme dans gouvernement ça tout le monde mettre dans conseil président faut qu'il y aura l'école y compris moi-même parce que comprenez bien petite précision juridique là.
N'oubliez pas qu'il y a différence entre réquisitoire et arrêt. Arrêt, c'est œuvre court. Réquisitoire, c'est œuvre commissaire du gouvernement. Et que la cour n'est pas liée par la quintessence, par la teneur du réquisitoire du commissaire du gouvernement. De par rapport aux relations gagnées entre Claude avec le commissaire du gouvernement après la cour d'appel là, parce que pas bien coup de comme l'amel. Yo rend bagay ça pour lui, mais c'est pas la ville pour la vie. Et que si par exemple l'argent pas arrivé sous cour là, l'aime de l'argent pas arrivé là, cour là t'as décidé de faire travailler bien, et que l'on arrive à maintenir, à confirmer l'ordonnance a été rendue par le juge instructeur. Côté ta monsieur t'a impliqué l'assassinat de Jovenel Moïse, nous mettre quoi nous si nous voulons. Comme au bas, au-dessous de toute ordonnance se trouve le mandat exécutoire, et que c'est l'appel qui a un effet suspensif, mais pourtant des cours là, tu as dit bon, attendez non, et ça travaille, juge Walter Wessel, tu es fait son bon travail, donc nous quimber, nous maintenir, nous confirmons le travail a été rendu par le juge instructeur Walter. Et bien, laisse ça, Claude a obligé à le marron. Et que les gens, milieux, fonds, milieux, nous n'avons pas besoin de danser, nous n'avons pas besoin de réjouir, nous n'avons pas besoin de rire toute la journée. C'est temps pour temps. Et arrêt, coup d'appel là, pour nous connaître exactement ça qui dit. Et par là, nous demandons coup d'appel pour faire un travail sérieux. Si l'innocent, nous pas dit coincé, il n'est pas vrai, si l'innocent, mais si l'innocent, même touché. Et impliqué vraiment dans la bagaille là, sans Jean-Premier juge, j'ai dit là, j'ai entendu dire comme ça que Martin Moïse était lié avec l'assassinat et Jovenel Moïse, parce que nous lisons et nous comprenons très bien, première ordonnance que tu rends par Walter Wessel là, n'a pas dit que nous faisons travail avec toute équité, tout sérieux pour lui-même qu'a fait. Donc j'ai entendu dire, ça devient là essentiellement pour terminer, c'est mandé, nous devons demander, nous devons exiger la démission de monsieur Gary Conné Marionnette. Merci. Et mes honneurs, nous avons une question. Que les gens du PHTK fait dans le pays, quitte le gang à sa pape, quitte le gang à col, je vous dis à la, nous obligez pour quelques secondes pour nous faire mener des réponses. Ok, merci. Réseau national des plaignants Petro-Caribé. Salier la presse en général. Presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Présentio matin qui pote chupoyou dans la conférence de presse. C'est là. Objectif conférence de presse matin. C'est juste pour que nous réactivions le dossier Petro-Caribé. Pendant que nous dit avec tous les amis qui étaient proches de nous, soit ça qui était mort, famille jusqu'à présent, nous parlé là, yo en battante. Pour cause qui ça? Pour cause 4 milliards 200 millions de dollars font plutôt Caraïbes. Alors que sous insécurité là, qui est-ce qui cause lui? C'est régime PHTK en son entier. Lorsque nèg yo fin craser tout 4 milliards 200 millions de dollars, si grab da ki rete nan men yo, yo simaye le quartier populaire yo, pendant yo a acheté zam tout calibre pour que yo remette avec on série de moun ki pa ka manger nan quartier populaire. Yo acheté gros zam, cartouche, bayo et puis yo simen la terre. Et pour supporter Matéli, Joseph Michel Matéli, Thierry Olivier qui est millionnaire sans qu'elle ne travaille un jour, Sophia Matéli qui gagne 400 millions de dollars maintenant pour Petro-Caribé, et pour te faire petit maman chéri, petit papa doudou, nous avons Laurent Lamotte qui gagne presque 1 million de dollars, 1 milliard de dollars maintenant dans le Petro-Caribé, et d'autres. L'autre monde qui est impliqué autour, qu'il y a presque 23 personnes, 23 chabouak PHTK,
qui impliqué dans le dossier Petro Garibé. Si nous avons regardé le massacre Saline qui a été en tête au ministère de l'Intérieur, Fednel Moncherigé et qui dans l'ordre qui était directeur général du ministère intérieur, nous avons gagné et l'autre monsieur ça qui était non, il n'est pas Babico non et ça qui était et Pierre-Richard Leblanc qui était délégué départemental et qui était auteur massacre la Saline jusqu'à date dans ça dans la rue et qui a supporté gang pour qui ça pour là dossier Petro-Garibé pas relancé. Je dis à réseau national Pléon Petro-Garibé présent. Et pour nous faire, population connaît, nous ensemble avec vous, dans souffrance yo, parce que nous-mêmes tous, nous n'en mettons la mer. Lorsque nous passé, lorsque nous parlons la caille, nous tous nous n'en mettons la mer. Elle dit que nous tous concernés par insécurité. Combien de centaines de millions, de milliers de monde qui a dormi à la belle étoile, qui n'a pas mangé, qui n'a pas baigné, qui n'a pas dormi, pour cause la chambre Petro-Garibé. Jodia, nous, la chambre Petro-Garibé a traîné toute une vague de sécurité. Côté maman, papa, petit, tout détaché. Yon abdomen à droite, l'autre abdomen à gauche, yon pas comme ça l'autre manger. Elle dit que l'agent nommé Michel Matéli, l'agent nommé Laurent Lamotte, l'agent nommé Sophia Matéli, l'agent nommé Thierry Olivier et d'autres mondes, l'agent nommé Fednel Moncherigé. Pierre-Richard Leblanc, l'agent Petro-Garibé, non mais moun sa yo. Sans côté, l'autre monde que nous avons cité. Nous, aujourd'hui, nous te mettons un cadeau en commentaire au niveau tribunal civil première instance, qui c'est Ramoussi Taximé, qui te désigné directement par Jovenel Moïse pour te directement tendre et suivre dossier Petro-Garibé. En pile pression faite sous les membres du réseau national de Pléan Petro-Garibé pour te même tuer nous, pour te emprisonner nous, pour dossier Petro-Garibé. Mais je dis à nous résister, malgré nous n'en mettons la mer. Nous ne pouvons pas comprendre qui l'a délivré. Mais la bataille n'a pas avancé. Je dis à dossier Petro-Garibé, pas gagné, juge sous tête li. Ramosit qui t'a fait travail, qui t'a yon tchoul, PHTK, li. Pas dans tête dossier Petro-Garibé encore. Mais c'est parti de date que nous-mêmes nous avons tenté une action en dessaisissement contre Ramoussi. Et Ramoussi te vient directement par la suite. Il te joint une révocation. Jusqu'à date, dossier A, la Cour cassation et CSPJ, pas encore nous désigner on l'autre juge dans le dossier Petro-Garibé. Toutes ces politiques qu'a fait, toutes ces marronnées qu'a fait, nous-mêmes. Exactement, nous demandons avec le conseil présidentiel là, prendre responsabilité pour que passer instruction formelle avec le président de la Cour cassation pour désigner un juge rapide au presto pour mettre directement sous dossier Petro-Garibé. Tout le monde qui méritait pour aller en bas code, il faut qu'il y ait en bas code. Donc, clair sous lit, nous ne pouvons pas baisser les bois, nous ne pouvons pas vendre dignité, nous ne pouvons pas vendre conscience nous pour 50 gouttes. Et que même réseau national qui était là depuis sous Jovenel Moïse tombé sous Ariel Henry et jusqu'à date c'est nous-mêmes les membres du réseau national Pléan Petro-Garibé qui toujours là avec avocat nous yon avocat l'autre a disparu l'autre a effondré nous va comme côté lié mais jusqu'à date Marc-Antoine Maisonneuve comme yon non avocat réseau national de Pléan Petro-Garibé était là ensemble avec nous. Merci beaucoup la Maître Maurice Noël coordonnateur général réseau national. Réseau national des Pléniens Petro-Garibé, Soja, Molina, ensemble d'organisations s'est réunis aujourd'hui pour nous parler sur le sujet Petro-Garibé. Et qui ça va gagner? Et réseau national des Pléniens Petro-Garibé, tout crime nous est fait dans le pays, sorti depuis 2018. Pour y venir journée aujourd'hui à côté n'a parlé là tout crime ça yo c'est dossier Petro-Garibé qui mettait nous là dedans si journée aujourd'hui
pour ce conseil de transition qui a 9 personnes là-dedans qui dirigent le pays, c'est cause de l'argent Petro-Caribéa qui fait pas jamais qu'il y a une stabilité dans le pays pour gagner l'élection, pour gagner tout le personnel politique. Si je ne j'ai dit, nous sommes capables de gagner un inconnu dans la tête du gouvernement, pour que qui est responsable de la sécurité publique dans le pays, eh bien, nous sommes mercenaires à vous chercher pour venir tout les propres monde qui dit ou pas d'accord à Jean la gouverner et Jean la gouverner pays. Si je ne j'ai dit, même ambassadeur dans le pays qui est plus gros sur la terre, qui a dit que c'est grande puissance, il est capable de dire pour fonctionner dans l'ambassade, il faut qu'il ait une relation, il faut qu'il demande autorisation avec gang qui est dans la zone. C'est même cause du dossier de l'argent Petro-Caribé. Si je ne j'ai dit, moun la saline ba la kayo, moun cité soleil ba kari pla kayo, moun solino pété kouri qui était là, moun nan tout 10 départements ou bien zone métropolitaine en général pa yon stabilité pour vivre la kayo, nous capable di c'est même l'agent Petro-Caribé qui permet moun sa yo gen une stabilité générale. Si jounen jodi a pour un directeur ouvrir porte l'école pour recevoir ti moun yo pour ba yo éducation, eh bien, faut que lui parle ensemble avec yon gang qui est dans la zone pour l'école qui a ouvert. C'est même l'agent Petro-Caribé. Si je ne dis à la côté de nous, nous avons besoin de quitter Port-au-Prince. Ou bien pour nous entrer Port-au-Prince, nous sommes obligés de payer transport pour nous mettre transport pour nous monter à pour nous payer. Eh bien, c'est même l'agent Petro-Caribé. Si je ne dis à yon parent pour le sortir, pour la chercher la manger pour petit ni. L'obligé parler avec un gang qui dans zone Bolakalia pour qu'a sorti à chercher manger, l'il est là sorti pour connait l'il est là pour connait, c'est même l'agent Petro-Caribé. Et bien l'agent Petro-Caribé c'est qui salteyé, c'était yon l'agent que pays a te recevoir comme dans le pays Venezuela qui évalué à 4,8 milliards de dollars que équipe PHTK dont là dans nous gagne Gary Koni qui était là dans tout. Et bien c'est moun sa yo qui dépatcha, qui dilapide, qui vole dans bon créole là l'argent ça. Et bien ça vient permettre au lieu yo bay l'argent, là yo commencé tande peuple là a mandé compte comme ça, au lieu bay compte. Alors nous va venir pour compte, nous venir mandé compte. Au lieu yo bay compte de l'argent, et bien obligé dit peuple là côté ya c'est à l'aise ou à l'aise qui va mandé compte l'argent plutôt Caribéa. Fou tout dehors. Vous mettez tout le monde dehors, faites vous quitter la caillou, ça calant dehors, allant dehors, ça ca mouri mouri, massacre fait, et crime fait, ça ca parti parti, et bien, l'agent, il dit, pas prémettre. Et mais c'est ça qui fait nous-mêmes, peuple haïtien, faut que nous, journée, il dit, si l'agent, ça, nous pas jouer une source pour remettre l'agent, et bien, nous fait carré quitter le pays, nous fait carré quitter le pays côté nous, nous fait carré quitter la zone métropolitaine. C'est ça qui fait. N'a demandé avec toute population non seulement pour yo camper ensemble avec nous pour nous capable rehausser l'argent Petro-Caribé a, et mais c'est ça nous devons dire journée aujourd'hui. Ah, non. C'est lui qui est Snai Joseph. Et on est dans dossier de corruption, et bien gagné responsable organisation droit moun dans le pays d'Haïti et Pierre Espérance de organisation RNDDH, et bien donc sous et antenne Gazette Haïti News, donc on t'a dénoncé yon et acte de corruption que conseiller présidentiel Emmanuel Vertilaire qui gagne avocat li et Metan Gedi Blaise qui a défendu surtout nan et question scandale BNC an, et comme quoi que conseiller présidentiel la, Emmanuel Vertilaire donc en ta et bayon juge l'argent pour prendre dossier que lui-même li était arrivé donc bloquer ça donc c'est une grave accusation que nous pral faire entendre donc c'est une gros personnalité c'est une responsable une organisation droit moun dans pays d'Haïti donc qui fait déclaration donc dans la presse que nous pral inviter ou donc entendre ensemble avec nous donc monsieur Sayo qui déjà gen nou yo qui inculpé par rapport UL la CCA. Donc monsieur yo pa vle présenté devant juge Benjamin Fizeme. Juge l'an pa gen compétence pour tande yo dans cadre dossier et si là eh bien et responsable droits humains Pierre Espérance donc on t'a dit que Betgadi Blaise donc t'a pris l'argent dans main Emmanuel Vertilaire
et dans mes clients liens pour porter ba yon juge pour que yo été gain dossier ça qui dans cabinet d'instruction zami famille nous. Donc c'est vraiment une grave accusation que n'a pas invité ou étendez et si que vous en commentaire pas oublier quitter li dans et pas oublier quitter li en bas vidéo. Contrairement avec Saoudi là qui essaie me te délivrer que moi goumen contre juge, moi goumen contre trois juges qui c'est trois et corrompu dans le système là et avocat et Michel et ni Michel qui n'a parlé avec eux tous les trois pour une nayo joindre dossier et moi connais ça moi intervenu yo pas bailler dossier vous êtes intervenu pas dit c'est moi qui fait même intervenu vous êtes intervenu et me pas la droit pas question et monsieur ça je monsieur ça on dit si je mon là d'ailleurs l'a tout quitté et des canards il t'a quitté comment il t'a tout quitté des canards c'est dans bail une trois juges ou juge qui corrompu monsieur ça il t'a tout quitté des canards on t'a mettre le oui pour qui ça alors même on t'a mettre le et pas puissant non on t'a mettre le à partir des preuves qui me gagne et preuve là qui concernait une là preuve de quoi preuve alors gain deux nous on n'est pas allé gen réunion mais gen na dan yo gen cob qui baille gen c'est la pierre bon cob yo le monsieur baille pour te faciliter que dossier nan men un juge que un juge qui corrompu que vous avez dit que un juge corrompu moi dit un juge corrompu m'a juge corrompu yo connaît qu'il corrompu dans ça c'est ça on donne toi juge toi attends m'a veillé. Yon a un juge qui recevoir Kobla. Qui est-ce qui baille Kobla? C'est client et avocat de la IA, M. Blaise. Tu m'y as M. Blaise? Oui. Et qui est-ce qui. Non, qui est. Et qui est-ce qu'on. C'est Fetile qui baille Kobla? Oui. Qui est-ce qui fait négociation? Oh. Qui est-ce qui fait négociation? C'est Blaise. Oh! C'est Blaise, quand il est là, ou bien, on dit Betty le baille l'argent à un juge. Vas-y, est-ce que je suis sur lui, bien. Donc, on va pas étonner que vous saisissez. Non, pas de problème. Non, alors, maintenant, on finit. On finit, oui. Ok. Rendio, dans un juge, Blaise mène en négociation, qui a déjà baille Gila et Gila préparé pour la prendre aussi. Et pour qui est-ce qui Blaise dans Kobla c'est pour client. Au coup il a même Blaise alors m'a montré que la justice haïtienne lui joue un rôle non négligeable dans que dans climat impunité avec corruption dans le pays insécurité à tout gangsterisation pays et juge pas corrompu sans avocat. OK? Donc qu'on y a moi pas comprendre comment yon avocat yon moun qui accepte pour client aller devant un juge là mais moyen nan gon bagay qui fait avant que yon négocie pour qui juge il aller et puis vous même dit à c'est lui même qui va faire déclaration dans radio pour dire juge pour dire client pas aller devant et juge choisir parce que juge ça pas dans poche. Donc c'est raison ça qui fait que juge là pas parler et ça c'est scandaleux. Nous l'avons côté amis, famille Anoué et Lakayo, et bien toujours en Haïti. Une fois ça, nous parler donc Nan et Jacques Mel côté que et nous gagnons Jean Nego, donc il gagne 28 ans, donc qui joint l'Amoli en bas mais et Madame Arielle qui c'est Danessi, donc à la falaise. Qui fouillait yon koto et bon couli donc nan journée vendredi 1er novembre qui sont à passer là bien action ça passé donc nan communal Kalafong et victime nan donc a mouri sous cabane l'hôpital et nan Saint-Michel de Jacmel donc malgré toute intervention donc qui était arrivé fait pour te sauver li donc mais malheureusement donc monsieur ran a dernier soufflé donc selon élément d'information nous arrivé joindre donc on t'a fait croire que c'est et donc d'après information que nous joignent en deux donc un réseau et qui publié information nan et Jacques Mel fait que moun sa yo donc yo gagné 2 ans depuis yo marié et que yo gagné un petit moun donc en 2 ans et zami famille à Noël Akayo donc on t'assemblé donc c'est un crime passionnel donc c'est ta pour jalousie
donc que et que et madame donc Jean Nego donc t'a fouillé yon couteau et beaucoup zami famille nou yon l'autre côté donc nous gagnen et militant et politique ça yon vaudouisant qui c'est Metta Calix Compa donc qui ren dernier et souffli et bien gagnen conférence nationale vaudouisant donc haïtien qui c'est KNVA et bien qui annonçait nouvelle donc en 1er novembre qui se passait là que vaudouisant et vaudouisant yo en deuil à côté que donc poto garçon ça donc qui c'est Metta Calix Compa et qui est passé de la vie au trépas amis famille à Noël Akayo et nous gagné en pile organisation donc qui voyait condoléances yo by famille donc en défunt amis famille nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin donc ainsi que ou à peine tomber sur channel ça pas oublier abonner peser bouton de notification hein, pour pas rater aucune vidéo pour venir faire partie de famille ça et nous saluer tous amis nous qui est partout dans monde là qui apprécie travail que nous faisons qui dans moi-même moi rejoindre moi dans prochaine vidéo qui va être sur écran que moi invité ou cliquez connia.